Bonjour, monsieur Léauté. Je vois que tout a l'air d'aller bien. Je suis où? Dites-moi où je suis. Vous êtes en salle de réveil, après être passé en salle de décongélation et en salle de réanimation. C'est pas possible. Ça fait combien de temps? S'il vous plaît, dites-moi en quelle année nous sommes. Nous sommes en 2087, monsieur Léauté. Dieu! C'est pas possible! J'ai réussi! Mais combien ont réussi? Dites-moi, 10, 20? Nous en réveillons 25 à 30 par jour, c'est un problème pour nous. Une gestion lourde et socialement très délicate. Mais revenons à vous, monsieur Lyoté. Si nous vous avons placé dans une salle de réveil individuelle, c'est que votre cas est très particulier. J'ai quelques informations à vous demander. Mais avant tout, souhaitez-vous boire ou manger quelque chose? Ni boire ni manger, dites-moi ce qui se passe. Comment est le monde maintenant? Comment est la vie des gens? Non, 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 vous poserez des questions plus tard, monsieur Léauté. Vous rencontrerez un psychosociologue en temps utile. Comme je vous le disais, j'ai des informations à vous demander. Et tout d'abord, pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous avez été mis en état d'hibernation alors que vous étiez en parfaite santé et que rien n'indique qu'une situation médicale n'ait motivé cette décision? C'était une décision personnelle. J'avais le désir de pratiquer une expérience intéressante. Je vois. Nous compléterons tout cela par un entretien en section de régulation psychologique. Mais sachez que cet entretien est très important car il déterminera votre affectation. Je comprends rien à ce que vous dites. Moi, je voudrais juste retrouver ma famille, les descendants de ma sœur. Ne comptez pas trop, monsieur Léauté. Notre organisation est très stricte. Voilà plus de 30 ans que le gouvernement mondial a décrété l'état d'urgence à cause de la surpopulation. Les personnes nées avant 1990 et réanimées après congélation ne sont pas prioritaires quant à leurs affectations. Vous serez rééduqués, si cela est possible. Tout ce que vous me racontez est incompréhensible. Vous me testez, c'est ça? Ah non, monsieur Léauté. Mais je comprends très bien vos premières difficultés. Et je vous souhaite de parvenir à les surmonter. Je vous laisse vous reposer. Je reviendrai ce soir. Attendez. Attendez! Bon, reprenons tout ça. Je crois avoir compris vos motivations et votre discours est clair. Cela dit, je ne suis pas certain qu'au moment de votre décision, vous ayez eu une vraie détermination. J'entends par vraie détermination quelque chose de mûrement réfléchi. Qu'enfin vous quittiez une famille, des amis, un travail. Et l'enquête que nous avons menée ne montre aucun problème grave de votre existence. Vous êtes tous pareils, vous autres psys. Il faut absolument qu'on rentre dans vos schémas. J'avais envie de vivre cette expérience. Et je me pensais capable de le supporter. C'était comme une deuxième vie. Je voulais vivre ça à ce moment-là, c'est tout. Et je comprends bien, j'entends bien. Mais cela fait maintenant presque 4 jours que nous discutons. Et vous n'êtes pas, d'après ce que je peux voir, un homme qui a l'air heureux de son choix. Et ça, c'est mauvais. C'est mauvais pour deux raisons. La première, votre équilibre. Et la seconde, vu l'immaturité évidente dont vous avez fait preuve, votre affectation n'aura certainement pas lieu avant de longs mois. Et je doute fort que l'on vous confie des responsabilités équivalentes à celles que vous aviez auparavant. Mais évidemment. Comment voulez-vous qu'on ait envie de vivre dans un monde pareil? Tout est tellement technocratisé. Les libertés individuelles sont quasiment inexistantes.
Tout ce que vous me racontez depuis ce matin me donne des cauchemars. Je pourrais jamais m'adapter à tout ça, bon sang, jamais. Je comprends même pas que vous puissiez le supporter. Mais vous avez oublié que tout est une question d'habitude. L'homme est le champion de la survie. Il s'adapte merveilleusement à toute situation, ou presque. Mais vous concernant, ce que j'entends surtout, c'est que vous avez plongé dans l'inconnu et sans filet, sans vous être interrogé honnêtement sur vos capacités à y faire face. C'est pourquoi je crois qu'il vous faudra une rééducation sérieuse pour devenir un individu responsable et utile à la collectivité. Bien sûr. Et vous allez me rééduquer avec vos saloperies de médicaments et vos traitements de choc. Mais non, mais ça n'a plus cours. Ce sont des méthodes préhistoriques. Et puis, ça ne fonctionnait pas à long terme. Vous voyez, tout n'est pas complètement mauvais. Nous cherchons seulement à éliminer tout ce qui ne fonctionne pas, et cela dans tous les domaines. Et qui prend toutes ces décisions? Encore et toujours les technocrates. Mais vous êtes bien pessimiste. Il faut bien que quelqu'un les prenne, ces décisions, non? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Que ceux de votre époque, qui n'en prenaient pas ou qui en prenaient au dernier moment, étaient moins dangereux? Je ne sais pas. Je ne sais plus du tout. Vous êtes sympathique. Il faut vous reprendre. La vie est là, votre vie. Et il faut bien en faire quelque chose, non? Bien sûr, je le sais. Ne pensez pas que l'on vous juge mal. Nous voulons vous aider à vous réinsérer. Vous êtes une personne intéressante, vous êtes créatif, intelligent. Mais vous savez, vous ne serez pas seul. Vous trouverez beaucoup de personnes qui auront vécu des expériences similaires à la vôtre. Ce que j'aimerais faire, c'est travailler dans ce que vous appelez les archives mondiales. Expliquez-moi votre système de classement. Oh, vous savez, c'est très simple. Nous avons organisé le stockage de nos informations dans une ville où il y a plusieurs centaines de bâtiments. Chaque pays a son quartier propre. Et chaque quartier est divisé en groupes de données. Les arts, l'histoire, les événements politiques, l'évolution biologique, la faune, les sciences humaines, etc. Nous avons plus de 45 000 employés. C'est tout à fait passionnant, croyez-moi. C'est ça que je veux faire. Et je crois que c'est la seule manière pour moi de supporter tout ça. Donc, finalement, mon ami, vous avez quitté votre époque pour vous y replonger. Est-ce que vous pensez que ça valait vraiment la peine d'avoir une démarche aussi radicale? Tu sais que vous pensez que j'ai fait une grosse erreur. Et j'ai le sentiment de le payer très cher. Seulement, je peux pas revenir en arrière. Ma famille, mes amis, mon époque, tout ça me manque affreusement. Mais le plus terrible, c'est que maintenant, j'ai tellement changé, tellement mûri, que jamais je reprendrai cette décision si le choix m'en était donné aujourd'hui. Voyez l'ironie et la cruauté de l'existence. Ni cruauté ni ironie de l'existence dans ce cas précis, mais seulement votre propre cruauté envers vous-même. Vous ne vous êtes laissé aucun droit à l'erreur. Mais les choses peuvent s'arranger. L'espoir est un composant majeur de l'esprit humain. D'ailleurs, je venais vous annoncer que votre première sortie est pour demain. Notre travail est terminé. Vous serez bientôt pris en charge par les équipes de réinsertion. Mon Dieu. C'est terrible. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel con! Mais quel con! Pourquoi j'ai fait ça? Hein, dites-moi, pourquoi j'ai fait ça? Vous l'avez fait. N'y ajoutez pas maintenant une autre souffrance. Vous allez créer une autre vie, avoir de nouveaux amis. Vous avez tout à imaginer, à construire. Ouais. Construire. Thank you.
Vous êtes prêts maintenant? Nous avons préparé votre valise. Elle contient une partie de vos affaires personnelles. Ne soyez sans inquiétude. Le restant vous sera restitué un peu plus tard. Vous savez, les tenues vestimentaires sont un peu différentes aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Non, non, tout cela s'organisera petit à petit. Voilà. Ah, tenez. Je vais vous donner cette lettre. Elle a été écrite par votre mère peu après votre mise en congélation. Mon chéri, j'ai toujours souhaité que ta vie ressemble à tes rêves, à tes désirs les plus chers. Je te demande de nous pardonner si nous avons eu beaucoup de mal à accepter ta décision. Je te demande aussi de ne pas nous en vouloir si les précautions que nous avons prises te font penser que nous n'avons pas respecté ton choix. Tu sais que nous t'aimons infiniment, mais chacun fait au mieux avec sa conscience. Ton père, ta sœur et moi, nous voulons qu'une chose de toutes nos forces, ton bonheur. Ne te reproche rien. Tu es notre enfant chéri. Tu es dans notre cœur. Maman. Bonjour. Vous êtes Antoine Léauté? Oui, c'est moi. Très bien. Alors suivez-moi. Votre dossier est complet, je dois vous conduire à l'extérieur. Nous allons où exactement? Nous allons dehors. Ensuite, vous serez accompagné au secteur d'accueil.